Bonjour à tous et bienvenue dans Chelloscope. Chose promise, chose due, aujourd'hui film d'action. Film d'action coréen. Film d'action coréen de Kim Ji-woon. Film d'action coréen de Kim Ji-woon qui commence comme un film d'auteur japonais. 어느 맑은 봄날, 바람에 이리저리 휘날리는 나뭇가지를 바라보며 제자가 물었다. 스승님, 저것은 나뭇가지가 움직이는 겁니까? 바람이 움직이는 겁니까? 스승은 제자가 가리키는 곳은 보지도 않은 채 웃으며 말했다. 무릇 움직이는 것은 나뭇가지도 아니고 바람도 아니며 네 마음뿐이다. 아, 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 attention, vous avez remarqué? Vous avez entendu cette petite musique là à la fin de ce plan? C'est un indice majeur qu'on n'est pas dans un film d'auteur japonais. Déjà, ça parle coréen, c'est un indice. Et ensuite, dans un film d'auteur japonais, on n'aurait jamais une musique pareille sur un plan d'arbre dans le vent. Pas possible. D'ailleurs, le doute n'est pas permis très longtemps. Au bout de 30 secondes, le film en est déjà rendu là. Alors oui, on est bien en Corée, dans le milieu de la pègre de Séoul, et le personnage principal de ce film est un beau mec, athlétique, à la fesse galbée et à la peau douce. Et ce personnage, Sun Woo, qu'on appellera Jean-Claude pour faire plus simple, va se voir confier une mission de la part de son patron, qui est un parrain de la mafia. Ça sent pas bon ça, ça sent pas bon du tout. Quand le boss vous demande de veiller sur sa maîtresse pour qu'elle fasse pas de conneries, c'est mal parti. Surtout ça, c'est une situation pourrie. Si ça vous arrive, refusez, inventez n'importe quoi, une gastro, quelque chose pour pas y aller, refilez le bébé à un collègue, mais surtout rentrez pas là-dedans. D'autant que la jeune fille a tendance à porter des robes qui font bien ressortir la forme de ses petites culottes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin bon, notre Jean-Claude, il fait bien son travail quand même, il la suit discrètement quand elle veut être seule, il l'accompagne poliment quand elle le lui demande. Attends, c'est rigolo hein, pour elle, pour une jeune fille sexy comme ça, de dragouiller Bruce Lee pour voir à quelle vitesse il pourrait s'enflammer. En plus, c'est bien pratique d'avoir un garçon costaud sous la main pour porter votre violoncelle. Ça vous permet de faire du shopping les mains libres. Alors,
Mais c'est là que tout va basculer. Parce que jusqu'ici, Jean-Claude, il était resté assez imperturbable et tout à fait pro. Mais ça, c'était avant de l'avoir vu jouer du violoncelle. Et je dis bien vu, parce que pour ce qui est d'entendre, c'est quand même pas cette musique à l'onde rose qui va lui faire perdre la tête. Hein. Ah bon, moi je dis ça, je dis rien. Après cette scène, on a une escalade de violence, trahison, règlement de compte, torture, vengeance et grande fusillade finale au cours de laquelle tout le monde tue tout le monde. Et notre gentil héros va mourir lui aussi pour avoir aspiré à une vie meilleure. Mais pourquoi ? Par amour pour la juvénile beauté de cette violoncelliste qui le fait fondre. À ce moment-là, on se dit que le gars en face, il aurait quand même pu tirer 30 secondes plus tôt. Ça nous aurait évité d'entendre cette musique à la noix une deuxième fois. Voilà, c'est dit. Allez, Telescope, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine fois.